Je vais me laver, tiens. Non mais Red Force, il faut plusieurs votes pour que j'accepte un vote. C'est pas le hasard qui décide, c'est vous. Et promis, je ferai plus attention au prochain, j'essaierai de le nommer correctement. Plutôt pour Red 13. Tu vois, déjà, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi. Je pense que c'est celui-là. Oh oui! Il est rouge donc Redou. Ah désolé Red Force, il faut que plusieurs personnes votent pour le nom. C'est pour ça que je vous ai proposé de choisir à l'avance cette fois pour pas me retrouver sur les 30 titres pendant 5 minutes. T'arrives à vendre le nom, Red. Du coup, il faut que tu forces les autres à être d'accord avec toi. Tu peux soudoyer Alucard en lui proposant de rehost son stream. Combien tu payes? Tout l'argent doit transiter par le streamer qui décidera la somme qu'il convient de distribuer plus tard. Comment ça, c'est du vol? Dance, puppet, dance! L'odeur du café. Un café bien noir. Juste pour vous montrer. Ouais, un peu plus par là. Un peu plus par là. Regardez-moi cette cafetière. Ah oui, une cafetière de café bien noir. Et ouais, il est bien noir, il est black. Mon café, je le bois black. Par mon unique initiative.
Redou qui essaye de qui essaye de pousser son pseudo. Cette négociation. Non, je voulais t'acheter des trucs. Du coup, il faut réussir à acheter notre ami Kazuo. Je veux la magie violette. Et couverture. Couverture qui est très très pratique. Quand vous voulez monter les limit breaks. Parce qu'en fait le personnage va prendre des coups à la place des autres. Allez, des gros bisous, mon Redou. Merci d'être passé. Et peut-être à plus tard.
Ton garde du corps. Tu veux dire qu'il te suivait encore? Tu vas bien? Tu n'es pas blessé, j'espère? Je vais très bien. Il y a Claude, il m'a attrapé, il m'a fait monter sur le toit. On est allé jusqu'au 7e ciel. Merci, Cloud. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce que le secteur 7 est loin d'ici? Je dois retourner au bar de Mia. Ça fait longtemps que je l'ai pas culbuté et je voudrais bien toucher ses nénés. Mia, c'est une fille? Bah ouais. Genre, ta petite amie? Non? Inutile d'être aussi gêné. Bref, le secteur 7, c'est ça? Je vais t'indiquer le chemin. Tu plaisantes, j'espère. Pourquoi veux-tu encore te mettre en danger? J'ai l'habitude. L'habitude? Eh ben, je sais pas. Être aidé par une fille... Une fille? Qu'est-ce que t'insinues? Tu crois que je vais rester là, planté là, après avoir entendu t'avoir entendu dire ça? Je suis pas qu'une fille, hein. Je suis aussi un cerveau. Maman, j'emmène Claude au secteur 7. À tout à l'heure. Mais j'abandonne, tu n'en fais vraiment qu'à ta tête. Enfin, si tu dois partir, pourquoi tu ne devrais pas attendre demain? Il se fait tard. Oui, tu as raison, maman. Fuf! Va préparer le lit, s'il te plaît. Ah. Alucard repousse Red et choisit Kazuo. Mais ce dernier n'est toujours pas revenu. Sera-t-il revenu à temps pour voter? Red aura-t-il un dernier argument à imposer au groupe? Vous saurez tout au prochain épisode. Tadam! Cette lueur dans tes yeux, tu es un soldat? Oui, ou plutôt, je l'étais. Je ne sais pas trop comment te le demander, mais... Pourrais-tu partir cette nuit sans dire Le soldat, tu me rends toute chose, viens dans ma chambre pendant la nuit. Putain, je vais fouiller les chambres avant. Je vais prendre une chaise en bois, en fait. Ça sera largement plus confort. Dis donc, qu'est-ce que tu es beau? Je parie que les filles ne te lâchent pas. Mais ça m'intéresse pas les filles, maman. Moi, je veux un grand black avec une main en forme de flingue. C'est beaucoup mieux. Je m'inquiète à ton sujet. En ville, on se laisse vite tenter par les prostituées. J'irais mieux... Si je savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie, plutôt que de dépenser tous tes crédits chez les putes. Je reviens tout de suite, j'ai cherché une chaise et prendre du café.
Ça va, t'inquiète pas pour moi. Le bar où je vais pour chercher des gars, c'est pas trop cher. Du coup, la plus grosse partie de ma solde, c'est ce que je t'envoie. Non, ce qu'il te faut, c'est vraiment une petite amie plus âgée. Comme ça, elle ferait plus d'économies. Parce que je suis sûr que tu manges tout en popo, hein. Parce que à force de te faire casser le cul, hein, tu prends des potions de soin. Oh, ne me regarde pas comme ça, le chat. Je sais que tu me juges. Non mais continue, hein. Je pense vraiment que ça te conviendrait mieux d'avoir une copine. Puis comme ça, c'est elle qui paierait ses popos de soins. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dû m'assoupir. Sa mère qui lui dit de se taper une mif. Le secteur 7 se trouve après le secteur 6. Je devrais pouvoir me débrouiller seul. J'adore l'Even qui reboucle. T'es levé de bonne heure, dis donc. Je ne pouvais pas te proposer de venir. Je savais que ça serait dangereux. T'as fini tes conneries, s'il te plaît. C'est pas d'où je viens, moi. Je suis de Marseille. Il faut traverser les taudis du secteur 6 pour pouvoir se rendre au 7ème ciel de Mia. Je vais t'y amener, dis. Suis-moi. Fleu, attends-moi, Fleu. Ça va être relou, ça va être relou. Ça va être relou. Faut qu'on mette un feu à la place de l'éclair. Ce sera largement plus efficace. En fait, ils vivent tous dans une décharge. En fait, la ville est composée de deux lieux. Donc, t'as la ville supérieure, là où il y a les riches. Et donc, t'as la ville inférieure, là où il y a les pauvres et les décharges. Qui, en fait, ne voient jamais le soleil. Donc, c'est le quartier pauvre, en fait. Et eux, enfin, toute l'histoire se passe dans le quartier pauvre. Faut pas rêver, quand même.
Je me rappelle qu'à l'époque, je passais pas mal de temps ici, en fait, à farmer. Il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, il y a un bijou à acheter juste avant. Et du coup, il coûte assez cher. Et du coup, pour l'avoir, bah, tu farmes un peu. Et du coup, je faisais ça ici avec Aeris et Cloud. Mon guérisseur. Putain, il fait chier. Tu te fais attaquer par une maison. Ah, c'est parce que le prix de l'immobilier a grimpé. Du coup, les maisons attaquent. Ça passe. On peut faire une pause. On a marché pendant 5 minutes, je suis un peu fatigué quand même. Comment je kifferais avoir des jouets pour enfants comme ça à côté de chez moi. C'est grave sympa, je trouve. Hein. Un remake du château ambulant miniature. Non. Je n'arrive pas à croire qu'il soit toujours là. En même temps, t'as vu la masse de béton que ça doit être, ce machin? Impossible de le bouger, même avec une bombe. Hein. Pourquoi vous montez pas par l'échelle? Ça doit être moins galère, quand même. Tu étais en quelle classe? Je suis allé au moins jusqu'au CP, là. Moi, je sais trop bien écrire mon prénom, hein. Ça m'appelle Cloud. Avec un A et un D. Cloud. Ah, j'étais en première classe. Oh, exactement comme lui. Comme qui? Comme mon premier petit ami. C'était du sérieux? Pas vraiment, mais on s'entendait assez bien. Je l'ai probablement connu, comment s'appelait-il? Ça n'a pas vraiment d'importance. Un chocobo! Mais là-bas, c'est... Mia! Mia! Cette fille dans la charrette, c'était Mia!
Où allait-elle? Elle avait l'air bizarre. Attends! Je vais continuer tout seul! Toi, rentre chez toi! Ah non, je vais jamais pouvoir toucher les boobies de Mia! Y'a pas un truc à ramasser dans le coin? Visiblement non. Cet endroit a bien des raisons de faire peur, surtout à une fille. On doit retrouver Mia, au plus vite. Eh, Ouloda, vous voulez pas prendre un peu de repos? On a une très jolie chambre. Qu'est-ce que vous en dites? Attends, arrête de me parler. Merci. En même temps, tu fais un combat, tu peux te payer 10 chambres. Putain, on a plus de thunes, quoi. Ah, on ira farmer après. Là, il y a la mitrailleuse, si je me rappelle bien. Bébé. C'est cassé. Prenez place où vous voulez, mais il n'y a plus qu'une place. Là, on fait des squats. Je peux pas essayer, ils veulent pas. Bâton de mitril. Va falloir qu'on farme.
base, foudre et feu. Tant bien, j'ai un médicament, un coupon pour la pharmacie, je veux dire. Quoi, on va aller lui acheter un médicament. Oh mais c'était une femme. Eh, je voulais aller pisser moi aussi. Connard, c'est mon tour. Si vous voulez commander, faites-le au comptoir. Par contre, je ne réponds pas quand vous allez au comptoir. J'aime pas les gens. C'est moi tranquille. À qui est-ce que j'ai oublié de parler ? Thank you.
On va essayer d'être sélectionné par Don Corleone pour aller dans son lit. Du coup, il faut qu'on gagne le concours de squat. Et plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Fleu ? Cloud, et si on te déguisait en fille, c'est le seul moyen ? Quoi ? Avec ma grosse... mon épée, ça passera pas. Attendez, j'ai une charmante amie qui pourrait m'accompagner. Fleu, c'est hors de question. Tu t'inquiètes pour Mia, non ? Alors viens, dépêche-toi. Tu pourras toucher ses boobs après. Boobies. Allons aider son papa à nous faire une jolie robe. Parce qu'on veut une jolie robe pour aller au bal. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Pardon, seriez-vous le père du garçon du magasin de vêtements ? Le magasin de vêtements est à moi, mais je ne suis pas votre père. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Faites-moi des vêtements. Je ne fais pas de vêtements pour homme. D'ailleurs, je n'ai rien envie de faire pour le moment. Cloud, attends là un instant, je vais essayer de lui parler. Pourquoi n'irais-tu pas boire un coup là-bas, quelque chose, ou n'importe quoi? Vous savez, monsieur, il a toujours dit qu'il aimerait se déguiser en fille, une fois dans sa vie. Alors je voudrais lui trouver une jolie robe. Hein? Ce type baragué? En fille? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez lui en faire une, s'il vous plaît? Une petite pipe? Hein, ça pourrait être intéressant. Je commençais à me lasser de ne faire que des vêtements classiques. Donc, vous allez nous faire ça? Qu'est-ce que vous voulez comme style de robe? J'espère que c'était le bon choix. Je crois que c'était pas le bon choix, mais c'est pas grave ça. Non, c'est pas là qu'il faut aller. Robe de satin. Et robe de catin. Comment on fait pour enfiler ça? De Dieu, putain, y a un gros trou en bas, il y a des bretelles en haut. Tu devrais réussir à comprendre quand même. Hé, qu'est-ce que tu fais? Bah, je mate ton boule. Ce n'est pas encore ça, il nous faut une perruque. Oui, c'est ce qu'il te faut. J'y avais pensé et j'en ai donc parlé à un ami. Vous connaissez le gymnase, vous y trouverez plein de gens comme lui. Allez leur parler.
Parce qu'au gymnase, bien sûr, on ne retrouve que des gens... voilà, quoi. Fle, qu'est-ce que t'es allé lui raconter? Quelle importance? L'essentiel, c'est qu'on ait une robe. Le jeu est pas sexiste, pas du tout, quoi. Elle a bougé de place, ça veut dire qu'il y a un nouvel event. Devenir beau? Oui. Et pour la perruque? C'est quoi, elle a tout changé? Attendez, il faut que j'appuie sur CTRL, après que j'appuie sur A, et après que j'appuie sur B. Ouh, ça va être facile. Quoi? Putain, à une près, on avait gagné, quoi. Dommage. On n'aura pas la meilleure réputation et tout. Ça aurait pu le faire, hein. Vraiment falloir que je... Comment dire? Que je nettoie les boutons de ma manette. Thank you.
Alors, est-ce qu'on va dans la chambre de groupe ou dans la chambre de... Hey, salut Mia, bienvenue sur le chat. Alors, la chambre du groupe ou la chambre de... Qui n'a pas été traduit d'ailleurs. La chambre de... Ou la chambre de groupe. Un ou deux. Les viewers vont choisir. Un pervers. Du coup, personne n'a envie de choisir. Les danseuses abeilles. Et ouais, les amis. Et ouais. C'est ça, le Final Fantasy. Mais être pervers, c'est bien. Du coup, la chambre de groupe ou la chambre de... Y a personne qui veut répondre à ma question. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais c'est un visage de femme qu'on voit en fond. Mais moi, j'ai pas compris. En fait, on a le choix entre la chambre de groupe ou alors la chambre de... Y a pas de traduction, en fait. Il y a des points d'exclamation comme une insulte.
Bon, allez. La chambre, Moi non plus, je sais pas. Je crois que je me suis trompé de chambre. Ah oui, plein de grands barbus. Quelqu'un a voulu agresser sexuellement Cloud. C'est tellement vrai. Ah ouais, c'était un lupanard, hein. Dommage qu'il y soit pas allé avec Tifa. C'est après avec Tifa. D'ailleurs, Tifa ne s'appelle pas Tifa. Eh ben, ton ami aussi est mignonne. Entrez, entrez. Eh, mesdemoiselles. Tu verras. Je vais prévenir le Don de votre arrivée. Attendez ici, ne bougez surtout pas. C'est notre chance, trouvons Mia. D'ailleurs, il faut trouver un nom à Red 13. Pour l'instant,
Le seul nom qui a été sorti, c'est Redou. Oh putain. Regardez l'écrasement du personnage, quoi. Mais Cloud, pourquoi tu t'es travesti? Claude m'a beaucoup parlé de vous, Mia. Et tu es? Oh, c'est toi qui étais dans le parc avec Cloud. Exact, avec Cloud. Oh. Ne t'inquiète pas, nous sommes juste venus... nous venons juste de nous rencontrer, rien de plus. Comment ça, ne t'inquiète pas? De quoi? Oh non, ne te méprends pas. Lui et moi avons grandi ensemble, rien de plus. Pauvre Cloud, être là, à nous entendre toutes les deux dire qu'il n'est rien de plus. Pas vrai, Cloud? Cloud! Attendez, on va ramasser la popo avant. Pardon. Hein? Cloud? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Et que fais-tu ici? Enfin, peu importe. Qu'est-ce qui t'est arrivé après la chute? Tu es blessé? Eh, laissez-moi une chance de répondre. Je suis habillé comme ça parce que c'était le seul moyen d'entrer ici. Je vais bien. Fleu m'a aidé. Oh, Fleu a fait ça. Mia, explique-moi. Que fais-tu dans un endroit pareil? Oh, j'ai compris. Je vais me boucher les oreilles. Friendzone.